Le premier concours de saut d'obstacle organisé depuis 2019 par le Sargumin Jump, le club hippique de la ville, a pris une teinte rosée. Non pas que les cavaliers et cavalières montaient des éléphants de cette coloration, ils sont restés sur des classiques poneys et chevaux, mais organisé ce week-end, le 1er du mois d'octobre, le concours s'est rallié à l'opération Octobre Rose de la Ligue contre le cancer, destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Vu que 90% des cavaliers sont des cavalières, donc c'était un message fort, donc oui, on vous invite tous à vous dépister, c'est très important. Concrètement, 1 euro par engagement de cavalier ou cavalière à la compétition sera reversé à la Ligue contre le cancer. Ils étaient 96, ce qui fait déjà 96 euros. De plus, une cagnotte était à la disposition des visiteurs et compétiteurs afin d'y déposer un don supplémentaire. Au passage de Mosaic Crystal, la cagnotte s'élevait déjà à une soixantaine d'euros. Tous ces dons seront remis à la Ligue contre le cancer en même temps que ceux récoltés par la ville au travers de l'opération menée chez les commerçants sargominois.